Salut tout le monde, je suis Mikarob Gaming et bienvenue dans ce nouvel épisode de Death Gone. La clé à molette, si elle est cassée à zéro, tu la perds pas. Ah bon? Ah, pourtant tu disais c'est à usage unique. Après elle te sert à plus rien. C'est ce que t'as dit, Tiffany. Ça que j'ai pas compris là. Non, faut grimper, Deacon. Deacon, calme-toi, grimpe l'échelle. D'accord, c'est moi qui déconnais. C'était l'autre côté. Tu fais comment pour brûler le cadavre d'Alvarez? Cocktail Molotov? Ouais. C'est bon. Mission terminée. Yes. 100%. J'espère que c'est assez haut. Apparence personnalisée débloquée. C'est quoi ça? Apparence personnalisée. Quand Lost Lake. Y a quelqu'un? Vic? Vic, c'est toi? Je t'entends à peine. La réception est pourrie. Où t'es fourré, hein? Je suis au sud de Crater Lake, figure-toi, et... Ah, d'accord. Je suis content de te rentendre, mon pote. Je me disais que t'étais peut-être en train de rentrer. Non, Boozer, pas encore. C'est compliqué. Je voulais juste... prendre des nouvelles. Savoir si tout allait bien. Ouais, ça va, Dick. Ça va très bien, même. Tu devineras jamais qui a été promu chef de la sécurité. Quoi, toi? Ouais. Mike a sûrement dû dire... La clé à molette devient plus puissante ou elle reste telle qu'elle? Ouais, bon, comme je t'ai dit, je voulais juste avoir des nouvelles. Ouais, ça m'a fait plaisir de t'entendre, mon vieux. Ouais, pareil. Ah bah je peux encore augmenter la confiance du con d'Iron Mike, je savais pas. Donc ça veut dire qu'on peut alors y retourner, à un moment donné. À voir. D'accord. Et bah balance-toi bien dans l'aventure alors, hein, puisque franchement il y a quoi faire. Mais par contre, c'est assez léger niveau mission. Je trouve. Pour ma part, en tout cas, c'est assez léger. Non. Death Gun n'est pas multi. C'est uniquement full solo. C'est que du solo. Il n'y a pas de multi. Non, 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 il est full solo. Full solo. Attends. Je vais faire le truc ici. Ah non, j'ai loupé le Freakers, je suis déçu. Là, je me fais les 3 nids et après j'irai au mémorial de Sarah. Mmh. Ça va faire. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu dis de ça? L'autre il défonce un loup, il fait ouais.
L'histoire de... Ouais, non, mais l'histoire... Ah bah donc tu l'as fini, Tiffany, alors. Voilà, l'histoire, elle est géniale. Hein. Elle est géniale, l'histoire. C'est juste les missions secondaires, en fait, elles sont trop espacées. C'est-à-dire que si t'en fais une, t'es obligé d'attendre qu'il t'en donne autre. C'est un peu trop espacé, ils auraient dû faire un peu plus de missions. Hors des camps aussi, surtout. Un peu genre comme si tu sauvais des personnes. Mais en mission un peu plus complète. Là, ça aurait été mieux. Ah yes, The Last of Us, on l'attend. Beaucoup, beaucoup attendent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup attendent. Ça, je peux te le dire. Hein. En fait, c'est un peu comme Death Stranding. On a très peu d'informations sur The Last of Us 2. On ne sait pas si Joel est mort. Puisque dans le premier trailer qu'on nous montre, on voit Joel de dos. Je me demande ce qu'on a là. Mais on sait pas s'il est mort ou non, quoi. Ouais, l'émission de camp, ouais. C'est où? J'entends bip bip bip. Bip bip bip, où ça? J'ai entendu bip bip bip. Ça, c'est un truc du Nero. Ah, il est en dessous, d'accord. Il y a une grotte? D'accord. Est-ce que j'ai fait cette horde? Tu sais pour Joël. Aurais-tu des infos qu'on n'a pas? Un autre injecteur du Nero. Cool. Ok, qu'est-ce que je vais augmenter alors là? Je vais faire l'endurance. Wow! Bon, ça devrait le faire. Un micro-enregistreur. Voyons ça. Allez, il faut qu'on fasse vite. T'es sûr qu'il est endormi? Oui, j'en suis sûr. Il y avait assez de kétamine pour assommer un dinosaure. Note de terrain 2020. Examen d'un spécimen d'Ursus americanus mutant. Un ours rageur. Voilà comment on appelle les drifters. C'est toujours bien de noter les expressions locales. Merci, caporal. Le sujet continue de perdre sa fourrure et de gagner de la masse à un rythme croissant. Poids estimé à 400 kg. 20% de plus depuis notre dernière mesure. C'est un gros ours. C'est pas un ours, caporal. Ça ne l'est plus. Oui, ne dis rien. C'est les ours avant. Pas ici, mais dans le nord de la Californie. Si tu sais vraiment, ne dis rien. Aussi. Donc les ours en fait, bah, il y a deux types d'ours et deux types de loups. T'as les loups normaux et les ours normaux qui ne sont pas infectés. Et il y a les loups et les ours infectés qui grossissent de plus en plus. Ok. Non, non, mais parce que The Last of Us, tu vois, c'est pas le type de jeu que tu peux spoiler à tout va comme ça, quoi. Parce que c'est un gros jeu. Un très gros jeu que beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs, dont nous deux, bien sûr, attendent impatiemment. Donc, ça serait con de spoiler, quoi. Saint John, vous êtes là? Ouais, Weaver, je suis là. Hey, appelez-moi Jim. Écoutez, je vous ai jamais remercié de m'avoir donné un coup de main. Ah, c'est rien. Je fais qu'obéir aux ordres. Eh ben, je vous remercie quand même. Et j'apprécie vraiment que vous risquiez votre vie dans le No Man's Land pour la femme. Il me reste un IFR. Il faut que je vous dise, le Napal est presque Je sais pas où il est. On aura bientôt besoin de vous pour le tester. À un moment donné, moi, j'ai... Eh ben... Ouais. Attends, attends. Faut que je regarde aussi ta photo, j'ai pas regardé. Comptez sur moi, terminé.
Non, bah, c'est bon, de toute façon, je suis quitté, mais le camp il était bizarre. Il y avait personne dedans. Attends, je vais quand même regarder au cas où. Je peux juste te dire deux choses. Il est beaucoup mieux et ultra violent. Accrochez-vous. Oui, ah, oui. J'ai vu les extraits. J'ai vu le premier trailer, j'ai vu le deuxième trailer. Le deuxième trailer est vachement violent. Il est vachement violent. Beaucoup de gens se posent la question, qui est cette femme balèze qui a quand même pas mal de muscles. Est-ce que c'est la mère d'Ellie ou est-ce que c'est un autre personnage jouable? On sait pas. Mais c'est Joël, franchement, s'il est mort dans le jeu, enfin s'il meurt dans le jeu ou même s'il est mort avant et qu'on ait des flashbacks avec lui, je serais très déçu. Parce que The Last of Us, c'est Joël et Ellie, pas juste Ellie quoi. C'est. Les silencieux, on peut les trouver dans les voitures. Hein? Les silencieux, est-ce qu'on peut les trouver dans les voitures? Les silencieux, oui. Les moteurs, en fait, tu trouves soit de la ferraille, soit des silencieux. Mais c'est plus de la ferraille. En vrai, ça serait chaud que Joël meure. Bah, je sais pas, mais. Qu'on change après personnage jouable. Dans le sens où, bah, Ellie est plus vieille, enfin plus vieille. Plus âgé, donc plus enclin à se défendre. On la contrôle une seule fois, mais dans le DLC. Où il y a Ellie avec dans et Deacon, pas Deacon, mais Joël dans une barquette bleue. Dans une barquette. Ouais, de sauvetage et elle se barre avec le cheval. Je dois plus être très loin. Oublie ce que je t'ai dit. C'est pas The Last of Us, ça. Oh, les corbeaux! Non mais. Si. Mais vas-y, je sais pas, parce que je suis pas trop renseigné. Moi, j'attends que les jeux ils sortent. Bon, on a standi. Ah, ok, d'accord, donc il y a un prochain trailer qui va peut-être montrer ou un truc du genre. Ok, je me prépare. Ah, le remake Final Fantasy VII Remake, ah ouais, franchement. De ce qu'ils ont montré à l'E3, à la conférence Square Enix, oh. On a vu enfin Tifa. Et Sephiroth aussi, oh. Il est classe, mais franchement. Tu parles de quoi là? Final Fantasy VII, les remakes. Bah, arrête de bouger toi! Merci. Non, pas celle-là toi. Là-bas. Le feu s'éteigne là pour aller dedans parce que. On a vu aussi Iris en gameplay. C'était cool. Ah ouais. Final Fantasy, moi j'adore. J'ai joué. D'abord au 9, après j'ai fait le 7, j'ai fait le 10, j'ai fait le 13-2, le 13-3, j'ai pas fait le 13 premier, et le 15. Je trouve pas le nid. Il est censé avoir un nid, mais...
Des FF, oula! Pour l'instant, il y en a 15, hein. Si je me trompe pas, hein. Il y a 15 Final Fantasy. Il y a ça, il y a quoi d'autre, attends? Je sens un nid. Il doit pas être loin. 15 Final Fantasy. Et il doit. Ah oui! 15 Final Fantasy de la, on va dire, saga qu'on connaît. Mais après, t'as d'autres Final Fantasy, on va dire, il y a des déclinaisons. Mais sinon, vrai Final Fantasy, il y en a 15. Hein. Oh, y a une brute. Ok, d'accord. Première fois que je détruis un nid et tous ceux qui sont à l'intérieur meurent. Ok, bah merci, hein, cocktail Molotov. Ah non. Il y a eu quand même un bug. Il y en a un qui est sorti. Et ça c'est... Il y a eu un bug. Il y a eu quand même un freakers et une brute. Donc pas merci. Aïe, j'ai dit pas merci. Fallait pas besoin de me frapper. Non! Putain, non. Faut que tu m'aides. Attends 2 secondes, je suis en train de me faire une brute là et c'est pas facile à tuer surtout. Il se bat contre un loup, c'est cool. Ah non, il a tué, trop tard. C'est bon. Qu'est-ce que tu disais? Bah, en fait, j'ai fait les trois nids au cimetière, mais je trouve pas le troisième. Bah, j'ai fait les deux nids, mais je trouve pas le troisième. Au cimetière? J'ai fait la grange rouge et la petite maison et je trouve pas le troisième. T'es au Regarde la cimetière où tu carte. dois retrouver, Regarde la carte et mais vois y a s'il y a pas un signe écrit. rouge. Bah, il y a que un gros signe rouge avec un truc radioactif. Avec écrit 2 sur 3 détruits. Il n'y a pas un autre Détruisez-les. signe? Non. Eh ben je sais pas, comme ça là je peux pas te dire parce que moi j'ai mis un moment à chercher, alors je sais pas si c'est le même endroit, mais je peux pas te dire comme ça. Et Si, attends, je Tiffany, retrouve. plus que 15, bah dis-moi, puisque j'en connais 15 officiels. Je veux dire, quand je dis officiel, je parle vraiment des 15 que je connais. Après, il y a plus de Final Fantasy, hein. Il y a plus que 15. Mais moi je parle des 15 de vraiment. De gros jeux vraiment qu'on connaît. Parce qu'il y a aussi le Final Fantasy XV Pocket. Il y a un jeu presque 2D avec le roi Régis, le père de Noctis, où il y a un jeu où il est plus jeune. Il y a ça. Il y a World Final Fantasy, un truc comme ça, je crois, Ultima. Mais il y a d'autres, hein, et il y a d'autres Final Fantasy, hein, oui. S'il y a plus que 15. Putain, on est, on voit trop la photo. Il y avait 3 loups, j'ai même pas vu. La photo. Attends, je vais mettre sur pause. Je veux dire, des jeux qui ne comptent pas vraiment, qui n'ont aucun lien avec avec la série originale. Des hommes approchent.
Putain! Apparemment, de ce que dit Tiffany, de ce qu'elle peut se souvenir, il y aurait un nid qui est un peu plus éloigné du cimetière. Donc, cherche autour du cimetière. Ok, merci Tiffany, c'est gentil. C'est la deuxième fois qu'il me fait le coup, Deacon. Toujours besoin de ferraille. Il dit comme ça, ouais, j'ai cru voir un gros minet. Oui, et c'est il ou elle d'ailleurs. Toi, Obsidian. Moi, elle. Oui. Il. Il. Oh, d'accord. Choisis. Donc c'est il. Et Tiffany dit que en faisant d'autres missions, tu tomberas dessus dans le coin. S'il y a des missions dans le coin, tu devrais tomber dessus normalement. Ok, bah merci Tiffany. Ellie, je vois. Ah putain. Bah, on peut l'inviter sinon. Bah, si elle veut m'envoyer son pseudo PS4, bah, y a pas de souci. Hein. Mais bon, moi, ce truc, je vais m'arrêter dans 30-40 minutes là. Donc, ouais. Ça fait pas grand chose. Ouais, la même. Je vais sur BO4 après. Oui, ouais, c'est vrai que certains nids peuvent être retirés de la zone. Mais ils sont à l'extrémité, quoi, je veux dire. Ouais. Ça dépend, en fait. Sinon, après ça, moi, je les ai tous trouvés, après. Il y a que... C'est quoi, ça? D'accord. Comment dire ça? C'est le seul nid que j'ai mis un moment à chercher, quoi. Ok. Au pire, je regarde sur Internet. Ah bah non, cherche-le toi-même. C'est mieux. Ok. Après, fais comme tu veux, hein, mais... Non, ouais, aussi. C'est mieux de le chercher soi-même. Enfin, en tout cas, moi, j'ai fait comme ça, hein. J'ai mis quand même un petit temps, quand même, à le trouver, hein. T'as crié ou t'as baillé? Il y a une horde. Ah, bah, casse-toi. En tout cas, Tiffany, merci d'être encore là. Hein. Et aux autres. Vous êtes encore 11, donc c'est super. Putain, t'es là. Qu'est-ce que tu fous ici? Il y a une horde au mont O'Leary. C'est ça. Non. Ou alors pas loin. Parce que le mont O'Leary... Miss Tiffany. Ah bah d'accord, bah merci. Elle vient de me... Attends, je me surpose, je vais regarder ça. Le Dust? Non. Ok. Bon, par où? T'es à moi maintenant. Ok, tu me préviens. Oula, un tétard. Ah putain, comment j'ai pu louper ça quand même. Ouais.
t'en as là-bas. Voilà. Raté. Touché. Je sais pas si je les ai tous faits. En tout cas, j'ai fait de la place. je pense que j'ai tous les faire. Ou pas du tout, parce que là j'ai un grand pan de carte encore. Enfin, un grand pan de carte. J'ai encore une zone ici à faire. Et encore une zone là. Donc, je pense pas que j'ai tous fait. Je pense pas. À voir, mais je pense pas les avoir tous faits. Les camps de maraudeurs, ceux que tu trouves où t'as les bonnes cœurs. D'accord, ouais, c'est bien ce que je me disais. Une boîte de conserve dans les airs qui est en train de léviter. Qu'est-ce qui lui arrive? Ok, donc lui c'est de train d'infecter. Ou pas du tout. Taylor. Ah oui, mais c'est clair. Ah oui, Taylor, c'est vrai. Putain, je l'avais zappé lui. Comment ça va, Taylor? J'ai merdé, mec. T'as plus que merdé? Je voulais pas le tuer, putain. Il devait pas être là. Le doc était un chip type, putain. Il m'a aidé, bordel, il m'a aidé. Allez, lève-toi. Non. Je veux pas finir au bout d'une corde. Bah, fallait réfléchir avant. Je veux pas être pendu. Je veux pas être pendu. Non, pas la corde. Hey, écoute-moi, Taylor. Taylor. Tu te balances en pissant dessus pendant que tous ces connards regardent à vous se foutent de ta gueule. Ils se foutent de toi. Ils se foutent de toi. Je veux pas être pendu. Je veux pas être pendu. Pitié. Les laisse pas me pendre. Putain. Pendre ou une balle dans la tête? Merde. Pendre. Non, parce qu'il veut pas être pendu. Parce qu'en fait, le camp militaire où je suis, veulent que je le ramène vivant. Et pour ce qu'il a fait, en fait, bah, il doit être pendu. D'accord. Il était pas fait pour vivre dans ce monde-là. Saint John. Je
Je suis là. Et oui. Overdose. Putain de merde. Sortez le corps de là. On laisse jamais un cadavre mutant. Peu importe le crime qu'il a commis. Je peux déjà vous dire que le colonel va être furieux. Ça, c'est sûr. Alors ? Quand on l'a trouvé, il était déjà mort. Overdose. On a l'essentiel des médicaments, mais pas tout. Comme si le monde n'était pas suffisamment corrompu et putride. Comme si le monde n'était pas déjà rempli de créatures décérébrées. Oui, mais t'inquiète, Tiffany, j'avais bien compris. Rapportez ça à l'infirmerie. Mais cette c'est fois, qui ne nommez pas un junkie à ce foutu poste. Oui, chef. Bon, bah, c'est qui va remplacer le médecin? Parce qu'on en a pas vu d'autres hein, depuis. Hein. J'ai débloqué quoi? Un autre skin pour la moto, et on s'en fout. Je change pas. Je veux ce skin, je le garderai jusqu'à ma mort. Comme skin? Hein? C'est quoi comme skin? C'était un skin bleu, il y avait un motif dessus, mais j'arrivais pas à voir ce que c'était. Salut toi. Qu'est-ce que t'as? Ok. De toute façon, quand tu vas en fait dans réparer ta moto, tu vas dans. T'as les. Enfin, quand tu peux améliorer, bien sûr. Ta performance, esthétique. Attends, je vais aller d'ailleurs au truc là, je vais voir. Je sais plus c'est quoi non, le troisième truc. Deacon, Caporal Saint John. Ça fait plaisir de te voir. Ah non, c'est pas là. Mince. Sergent. Enfin, il y a trois trucs. T'as deux catégories où tu améliores ta moto. Et t'as la troisième catégorie où tu peux modifier l'apparence de ta moto. Okay. En tout cas, de ce qu'il y a dessus, quoi. T'as juste les couleurs unies. Et je crois, si je me souviens bien, c'est soit les deux joysticks. Donc R3 ou L3. Ou alors L1, L2. Je sais plus trop. T'as des touches en fait que tu appuies en même temps et t'as les skins personnalisés. Oh. Ok. Caporal Saint John, Dick, à la prochaine. Deacon, est-ce que t'es là? Deacon, c'est Sarah, il faut que je te parle. Ouais, je suis là. T'as l'air de bonne humeur. Eh ben, j'ai fait une percée. Tout ce qu'il me fallait, c'était ce séquenceur d'ADN. Je suis prête à le tester. Deacon, je suis prête à tester mon sérum. Je vais aller vers les toilettes et tout voir. Oh, cool. Ok. Et qu'est-ce que t'attends de moi? Je te le dirai quand tu seras arrivé. Sarah, terminé. Hey, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oh, le flambeur. Putain, c'est où? C'est moins cher qu'acheter du neuf, hein? Non, c'est pas vrai? Wow, c'est parti pour une amélioration. Bien. T'as trouvé le nid? Ouais, c'est bon. Ah bah c'est cool. Ouais, ok. Donc cette zone, tu l'auras fini en termes de nid. Caporal, je sais pas s'il y a une horde, je m'en rappelle plus. On se voit plus tard. Caporal, ravi de vous voir. Ok, c'est bon. C'est bon. Comment ça va chez vous? Sans regarder sur internet. Okay. Bah tu vois. Oh, Caporal, t'as plus de satisfaction à avoir trouvé le nid toi-même, ouais, tu vois. À bientôt. Ouais. Faites attention à vous. Bon, je vais faire. Maintenant, faut que j'aille au mémorial de Sarah. Reste pas là, l'ami, reste pas là. Où est-ce qu'il est le mémorial? Ah, ouais, mais il est en haut. Ah, ouais, mais il est carrément dans la. Nous avons un problème que vous pourriez résoudre, je pense. Ok, chef. Un de nos soldats a été pris en otage, le sergent Melinda Foster. Elle patrouillait sur notre frontière est le long de la 97. Son escouade est tombée dans une embuscade. Deux hommes s'en sont sortis.
Le sergent Foster a été capturé. Melinda Foster. Vous la connaissez? Non, non, colonel. J'ai marqué sa dernière position connue sur votre carte. J'ai toute confiance en vous, caporal. Je sais que vous la libérerez. Comptez sur moi, colonel. Rompez, caporal. Ok. Encore un soldat à sauver. Putain. Ils se font depuis. Ils n'arrêtent pas de se faire capturer, ces gars-là. Deux kilomètres deux, ça passe avec une moitié de réserve. Avec un moteur de. Un. T'as combien de pourcentage? Sergent, ça me fait plaisir. Sur ton assaut de descente. 57. 57? Oui. Ouais. Oui. 2 kilomètres. Mais ça, ça mène où? Dans la première zone, près du camp Old Springs. Bah, c'est pour aller au mémorial de Sarah. Bah, fais le. Ah, bah non. Attends. Fais la carte et va sur le camp Old Springs et vois si tu peux faire l'avance. Enfin, l'avance. Je peux pas faire le voyage. Je peux faire. Ah, tu peux pas faire voyage rapide parce que. Ça veut dire que soit t'as des ennemis autour, soit que t'as pas assez d'essence. Non, j'ai des ennemis autour. D'accord. J'ai découvert un point ennemi en plus. Attends, je vais voir si c'est bon, en 57% ça va. T'as largement assez, je pense, normalement pour faire le trajet. Point ennemi de tunnel, yes. Si t'as pas assez, bah essaye de t'arrêter près de station d'essence ou trouve un bidon. Ouais, je vais. Enfin, dès que t'as l'occasion. Si tu trouves, fais-le. Okay. C'est ce que je fais toujours, moi. Comme ça, au moins. Ouais, je vais faire tout le jeu. Je vais faire le mode histoire, ça c'est sûr. Après, pour les hordes, soit je fais un hors vidéo, bon, du moins je veux dire sur ma chaîne YouTube, ou en live. Ça dépendra en fait. Pour l'instant, j'ai pas encore décidé. Je suis arrivé sur place. Le camp semble désert. C'est là. C'est forcément ça. Ils sont tous passés, bordel. Ah mince, putain. Langage. Non mais. C'est tout. Je commençais à peine à m'échauffer, moi. Il doit être là-dedans. Et voilà.
tu disais? T'approches et je te fais la peau? Ça va, c'est bah... C'est une bonne journée. Putain. T'as pas pu le faire. Caporal, merci. Une super journée. Super. Faut vous ramener au camp? Il y avait une moto de la milice devant. Ou ces crevards l'ont déjà démontée? Non, non, elle est toujours là. Ok, je me débrouille alors. Saint John, c'est ça? Merci. Ça devrait aller. Voilà. Ok, bah, je vais m'arrêter là, moi. Je fouille les cordes d'abord et après je vais m'arrêter. Ok, donc d'abord pour YouTube et après je vais m'arrêter pour Twitch. Donc pour YouTube déjà, likez la vidéo, déjà, enfin déjà je vous laisse ici, hein, merci d'avoir suivi, bah, pour ceux de, qui regarderont la rediff hein, sur YouTube. Likez la vidéo avec un gros pouce bleu, partagez avec vos amis, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et moi je vous retrouverai dans un nouvel épisode. Ciao, ciao. 'Cause I know I'll kill my enemies when they come.